Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais. Je pensais que ça avait démarré. Je comprenais pas. J'avais pas sélectionné là. Allez, go! Captain Wesker, where's Chris? Ça, ça sature un peu la leçon. Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner. On va essayer de faire un... Okay. C'est Binaire 2, on va voir donc si j'ai des déplacements pourris ou pas. Stay alert. C'est bien ça, c'est du retour. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. J'espère que ça fait pas de doublon au niveau du son du jeu et du micro. Salut Zelgus. Comment ça va? De bon matin. J'espère que tu n'entends pas en double le son. Parce que j'ai l'impression dans mon OBS que... Merde. Qu'il captait aussi. Bah écoute, ça va. Ça va, j'ai fait une petite partie d'Heroes 3 ce matin au réveil. Ok, bon, parfait alors.
Et ça sature un petit peu dans les baffes de... de mes enceintes. Donc, c'est pas un peu bizarre. Ouais, des fois c'est un peu prise de tête, mais c'est vrai que c'est sympa. Voilà. Voilà. Voilà, punaise, j'ai eu peur. Hein. Je me suis un petit peu trop tourné, je crois. Ah, tu apprends Léon A. Il est plus chiant, c'est ça, non? Ah, Seth t'a dit que c'était facile à apprendre, ok. Ça change un petit peu au niveau du commissariat. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en RE2, mais... Ah, casse-toi. Mais ça change au niveau du commissariat, parce que du coup, le gars, c'est pas un zombie, c'est ça. Enfin, hein. Quand tu fais en B, du coup, en fonction de si tu tues le gars ou si tu le tues pas, il est présent dans la pièce ou pas, c'est ça. Enfin, je sais plus trop... Hein. Et un peu le cheminement. D'accord, le plus facile et un peu le cheminement. Ouais, c'est ça pour le scénario. Okay. Moi, je suis pas à force de regarder Terran que des choses que dont je me souviens, mais. I have this. Thank you. I'll take this then. Du coup, aujourd'hui, tu vas streamer un petit peu? Ah, d'accord. Ouais, c'est normal. Voilà, je me suis beaucoup décalé. Ça marche. Ça fait très longtemps de mon côté que j'ai pas fait de run Kudelka, et je me dis que cet après-midi, ça serait peut-être le bon moment pour en faire. En début d'après-midi, là, vers 13h. J'ai un petit peu peur parce que j'ai pas du tout compté en fait. D'accord. Bon, après, je promets pas le grand air, hein, parce que Kudelka, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Oh non. Ça, c'est dommage de perdre des secondes là-dessus, franchement.
Mais la run de R20 est tellement bien en fait. Allez, voilà, il n'y a pas beaucoup de RNG. Bon, voilà, ça se fait. Hein. Une heure, c'est pas grand chose. Ça se fait bien. C'est vrai qu'elle est cool cette run. Et encore une heure parce que je fais la version PlayStation. Mais la version PC, j'avais essayé de l'installer avec Ceph et en fait l'auto-splitter fonctionnait pas, la détection de la manette non plus. Donc du coup, c'était un peu laborieux. Bon, c'est pas grave, comme ça, je suis le dernier représentant de la version PlayStation, l'authentique, la première. Oh, j'ai vraiment un problème là-dedans. Ah, il y a un problème dans mon son là, je crois. Je crois que mes enceintes elles ont craqué. Le problème c'est que c'est les enceintes du de l'écran alors. Mais là, je pense qu'elles sont mortes, hein, clairement. Non, mais n'importe quoi. C'est pareil, bon, je suis un petit peu en retard à chaque fois. Richard, what happened? Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake, and also poisonous. Poisonous? Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Bon, et puis ici, au cas où si je me fais mort sur Yone, bon, je pense que je referai une run plus tard en fait. Soit coup d'Elka. Parce qu'à vrai, dire, du coup, c'est marrant, mais j'adore le début. Et puis après, faut un peu la flemme en vrai. Non, je ferai pas de. Sans Yone, je ferai pas. En fait, il passe quand même très souvent Yone. Donc, c'est pas dommage. Ça serait dommage de faire sans. Oh là. Oh putain, je suis dégoûté.
J'appuie trop longtemps sur la touche directionnelle, du coup, c'est... J'étais en train de regarder un autre truc. Moi, je vais essayer de pas trop faire n'importe quoi en vrai, parce que... Ah, je m'en doutais, j'ai pas assez tourné. Chier. Alors, si on se fait pas mordre par lui, ça veut dire qu'on peut garder le spray pendant beaucoup plus longtemps, et ça, c'est cool. Hein. C'est quoi ce déplacement à la mort moelle-neuve? Alors, je ne sais pas si le comportement de Yone change quand on est en caution. Je crois pas. Je crois que c'est que quand on est en danger. Bon, on va vérifier ça. Je peux utiliser mon spray en me disant que on aurait peut-être besoin pour plus tard. Okay. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... Oui. No, Richard. Non, mais il y a vraiment un problème là. Mon son là, je vous jure, ça crache dans les enceintes. C'est un truc de dingue. Merde, il est mort ce con. Alors, je vais voir si ça change le comportement du Hun d'être. J'ai un petit peu chaud en vrai là. Comme je te dis, je pense que le son de mon ordi, il est en train de décéder là. Faut que je voie pour des enceintes du coup. Salut Kido! Comment ça va? En ce samedi matin. Bon, écoute, ça va. Ça va, ça va.
Je tente de garder le spray maximum de temps au cas où si je me fais troll. La dernière fois, je m'étais fait troll par le chien là en sortant. Et je pouvais absolument rien faire en fait. Il était directement sur moi. Et je pouvais rien faire. Et c'était grave la misère. Et mes enceintes sont en train de décéder. On entend un peu tout le temps. Oh, mais ça, ça devrait jamais arriver, ça. Donc là, ça va. Le chien m'a pas trop. Non, pousse. 1, 2, voilà, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Non, oh non, tant de secondes perdues pour rien. Et tout ça parce que je voulais gagner un petit peu de temps en pensant que la rampe était un petit peu plus basse, mais non, c'est faux. Ça, c'est clairement un endroit que j'aime pas du tout. Les endroits avec les chiens, les endroits avec les hunters et les endroits avec les chimères, voilà. Bon, ça en fait pas mal, hein, mine de rien. Bon, j'aime pas non plus les endroits avec les zombies, mais voilà. Par exemple, voilà. Par exemple, ça, c'est un troll. Pas de chance. Là, il y a plutôt intérêt de courir bien comme il faut. J'ai pas couru bien comme il faut en plus. Ça fait peur. Des fois, il m'arrive des trucs. Là, ça fait deux runs. Il m'arrive des trucs, mais complètement dingue, quoi. Complètement dingue. Là, par exemple, le chien, bon, ça arrive une fois toutes les 50 runs, quoi. Ouais, j'aime bien les safe rooms, ouais. En plus, j'adore la musique de la safe room, ouais. On croit effectivement, on peut voir ça comme ça. Je vais voir où j'en suis dans les... C'est con, hein. Franchement, c'est vraiment con. C'est fait mort par le chien. Et surtout que j'aurais préféré que ce soit dans la phase où c'est très RNG, quoi, parce que clairement je vais m'en prendre un comme à chaque fois. Je
pas jusqu'où je suis allé là, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour du pilier. Là, c'est bien parce que le lightbox est assez généreux sur cette porte. Donc on peut être très imprécis, ça passe crème. Jekido. Allez. Dans cette rapporte, malheureusement, rien. J'ai tourné comme ça. Ah, j'aurais pu utiliser le spray ici, par contre. Allez, c'est parti. On va dire plante 42 et après la plante 42 quand on se retrouve dans le dans la maison, c'est la deuxième partie du jeu, on va dire ça, à peu près. Hein. On aura fait à peu près la moitié. Ça, l'avantage avec ce jeu, c'est que je trouve que la run, elle passe assez vite.
Voilà, bah là vous voyez, là c'est freezing à mort. Là c'est plus qu'un lance-flamme, là c'est un... Je sais pas ce qu'il utilise, mais avec les... ce bruit monstrueux. Non mais ça fait chier du coup en vrai. Hein. En vrai ça fait chier. Yeah. Je crois qu'il va mourir, Barry, mais je suis pas sûr. Il me semble qu'il va mourir. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Et salut Susano, ça va et toi? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, tu arrives pour la deuxième partie de la run. Yes, celle que j'aime le moins. Il est très clair que c'est celle que j'aime le moins. Now, there are a lot of rooms in that mansion. Avec les hunters, les chimères. Surtout les hunters. Et puis la partie RNG avec les chiens. Ça, c'est la mort. Eh bon, on verra bien. On verra bien. J'aimerais vraiment pas me faire toucher par les chiens, ça me permettrait d'être un petit peu plus safe pour faire la strat des... Enfin, pour prendre le passage risqué, quoi. Et bon, après, à voir, hein, ça sera vraiment en fonction de... Calme-toi! Et Jill, elle est à moitié dans le décor, là, elle est en train de se faire arracher un bras. Oh là 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 là, ça sent mauvais. Vite, rentre! Je sens que je vais me faire taper par un chien. Je sens qu'ils sont vénères là. Rien que déjà en sortant, tu le vois. Ah. Après, la question, c'est vraiment de savoir si toi, tu peux aller le récupérer. En fait. Si toi, tu peux grimper aux herbes comme lui. Voilà, ici je déteste comme passage. Allez, je vous le dis. Là je déteste et là aussi. Voilà, pour ça, parce que bon, je comprends pas, des fois je m'éloigne de la porte de 3 mètres, mais enfin bon, voilà, donc, là je déteste. Là je déteste. Je déteste à chaque fois qu'il y a des hunters, c'est dingue. Hein. Je vais vous montrer aussi où je déteste. Là, je déteste, parce qu'ici, c'est RNG. On ne sait pas pourquoi, des fois ça passe, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà, là, c'est pas passé. Merde, ah, ça m'énerve.
Et après, je vais me prendre un chien. Donc, du coup, je vais être en caution. Et ça, ça va me casser les... Hein. Parce que quand on est en caution et qu'on va essayer de passer à travers les deux zombies, là, dans la pièce de la salle des machines après, eh ben, c'est la mort. J'adore la safe room. Ça, je la déteste pas, la safe room. J'adore la safe room. Quand on va chercher le sérum. J'adore être dans cette salle-là. Voilà. J'aime bien aussi la cinématique avec Wesker qui dure 10 minutes. Parce que je peux aller faire pipi pendant cette cinématique. J'adore cette cinématique. Et j'aime bien boire du cappuccino aussi. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les cinématiques avec Wesker, parce que quand je bois du cappuccino pendant le jeu, et ben après, je peux aller faire pipi pendant cette cinématique. Voilà. Vous savez maintenant pourquoi je run ce jeu? Hein? C'est pour ça. Parce que j'aime bien ces deux passages-là. Barry. Pourquoi elle a marché, elle est con quoi. J'ai arrêté d'appuyer sur quoi? Bon. Peut-être. Oh là là, mais c'est quoi ce son de ouf là? Oh là 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 là. Mes enceintes vont mourir! Oh là 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 là, les enceintes vont mourir. Alors j'ai mis le casque pendant le truc des échelles. Merde. Il va falloir que je joue un moment. C'est mes enceintes qui sont en train de décider. Voilà. Je sais tout. Non, on s'en fout, on peut le faire plus tard. Alors calme-toi tout de suite. D'ailleurs, je me pose la question, quand est-ce que je vais pouvoir le faire en vrai? Mais c'est pas très grave ça. C'est anecdotique. Je me suis dit, je vais pouvoir le faire plus tard. Ah oui, ici, quand on utilise la manivelle. Ou quand on utilise la batterie. Pas besoin d'aller dans le menu. Stixa. Là, elle se prend toujours le mur. À force qu'elle se prenne le mur avec moi, je pense qu'elle a plus de nez, hein, Jill. Je pense qu'on va l'appeler Jill Jackson. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai tout compris en vrai. En vrai, je l'ai refait après et à chaque fois, j'ai niqué le jeu quoi. Mais je vais vous remontrer après si vous voulez. Bon, allez, c'est parti. La déchéance, mes amis, la déchéance. Alors, je peux pas tout lire. J'en suis fort désolé. Bonjour.
Je viens de dire. Et c'était marrant ce que t'as dit. Très marrant. Tu me donnes envie de jouer à ce jeu. Et j'ai envie de faire cogner le personnage dans le mur tout le temps. Oh, j'aime pas ce passage. Oh, j'aime pas ce passage. Là, vraiment, c'est le passage. C'est la mort totale, ce passage. C'est RNG. On peut se prendre des dégâts qui font bien chier. Et en plus, on repasse devant les serpents. Voilà, hein. Pas un moment qu'on préfère tous. Voilà. Ça va, hein. Ok. Pour créer un perso correct, il faut 10 000. Et t'en as 6 à faire. Oula. Oula, ça sent la mort, hein, parce que moi j'adore refaire des persos à l'infini. Hein. Oula, je suis passé derrière le chien exprès parce que je me suis dit sinon il va me niquer ce con. Il était chaud. Il était chaud le cacao. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'est le moment qu'on déteste tous. Hein. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. GG Susano level 9. Ah voilà, c'est pas difficile de le prendre ce passage. C'est là qu'on peut le faire. Mais oui, on peut le faire ici. Oh là, oh là là, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses avec la caméra. Le caméraman a perdu pied. Oh là là, là ça pue. Oh là 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 là, j'ai eu chaud. Et je crois que Agrim, il doit être niveau 19 ou un truc dans le genre. Hein. Je déteste. Oui, je déteste. Oui, c'est passé. Oui. Et là, je crois que le caméraman, il s'est fait la malle. Ouais. C'était skill de chien. C'est ça. C'est ça l'idée. Ah ouais, bah ouais, je sais bien, je sais bien. Je sais bien, tu es souvent là. Allez, on va aller voir Henrik. Hop. Voilà. C'est ça peut-être l'idée. Oh, vache. Bon, si je me fais pas toucher par les hunters, je vais pouvoir faire la strat de ouf. Et si je me fais toucher par les hunters, ben, je vais pas pouvoir faire la strat de ouf. D'ailleurs, si je me fais mort pendant la strat de ouf, et ben, ça fait vraiment chier. On perd vraiment beaucoup de points de vie pour le coup. Hein. Après, on joue avec une pression constante. Vous savez quoi? Moi, j'aime pas trop jouer avec la pression constante. Ouais, Dylan Ekay est pas mal, mais là, depuis le temps, ça fait longtemps qu'il est pas venu, Dylan. Je pense qu'il a été pris par ses... Oh là là, non, pas par là. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. J'ai fait n'importe quoi. J'ai eu peur. Oh! Mais oui! C'est donc passé. Tu n'étais qu'un personnage secondaire. Alors, je dirais même tertiaire. Hein. Et... Non, il sert à rien, en vrai. Il n'y a même pas de glitch. Du coup, il est vraiment... Richard. Richard, c'est un personnage secondaire. Au moins, il y a un glitch avec lui.
Voilà. Et imagine, la séquence ne se déclenche pas. Je ne suis pas allé assez loin. Je sais même pas s'il y a un repère, je pense que oui. Parce que je pense qu'ils ont tellement travaillé dessus, les speedrunners, que doit y avoir un petit indicateur. Voilà, alors ça me fait peur parce que je vous l'ai dit, hein, à chaque fois ma manette elle est cassée. Alors du coup je suis obligé d'appuyer un peu quand même. Oui ! C'est bon ! C'est passé ! Mais oui mes amis ! C'est passé ! Et d'un. Non, attends, oula. Là, faut pas. Parce que là, je vais faire la strat où je vais peut-être me faire tuer, en fait. Là, je cherche pas le pibi, là. Je cherche à faire la strat. Là, sauf le truc de l'escabeau, parce que bon, ça, faut pas déconner non plus. Mais là, je vais faire la strat risky, donc. Donc là, non, je vais peut-être mourir, en fait. C'est surtout ça l'idée. C'est surtout que je vais peut-être mourir. C'est surtout ça. Non mais ça, normalement, ça passe. Hein. C'est juste que je fais le con en vrai. Et le PC qui plante. Alors, ce qui m'est déjà arrivé, hein, c'est sur une run de Koudelka, j'avais une God RNG et c'est le coup de l'orage. Peut-être que Seb vous en a déjà parlé. À chaque fois, quand je joue à Koudelka, il dit de l'orage. C'est tout à quoi ça correspond. Allez, c'est parti. Je me suis pas, me suis un peu entraîné, mais vraiment, je le trouve compliqué le truc à faire. Je pense que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué là. Vous savez, c'est passé contre le mur par les deux zombies là. Et il y en a un, il est quand même bien vénère. Merde, ça par contre c'est pas bien. Et de 1. Et de 2. Oh bah Lyon, je suis arrivé à rentrer. Ça arrive pas souvent. Enfin, dans le jeu. Ok. Qu'on se le dise. Je parlais bien du jeu. Hein. Bon allez. Ça restera dans la VOD. J'espère que je vais pas pibi. J'espère que je vais mourir, comme ça on n'entendra pas ça. Allez, let's go. Je vais qui? Non. Merde. Oh merde. Shit. Merci pour le host, Susano. Alors hop, on va sur le PC. J'ai vraiment peur de le faire, hein, je vous assure.
Mais bon, faut que je le fasse quand même. Parce que comme dit Clix, une bonne run est risquée. Voilà. Donc, bah, il faut prendre des risques. Pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Plix. Hein. Il a dit A good run is risky. Ben, c'est parti. Hein. On va le faire. Hein. Soyons dingues. Je vous assure que je suis pas serein en vrai. Hein. En vrai, je suis pas serein. Ah bon, là, si je le tente pas en étant fine, je le tenterai jamais, en fait. C'est ça, le truc. Je le tenterai jamais. Allez, c'est parti. Oh, j'ai peur. Oh non, putain, je l'ai pris, quoi. Bon, bah voilà. Bon bah il était pris hein. Du coup je suis en cochonne. C'est pour ça en fait qu'il faut absolument pas se faire têche par les chiens ou un truc dans le genre. Parce que sinon bah là on est dans la merde. Bon là moi je suis déjà dans la merde hein, parce que je suis là j'arrive dans l'endroit où je me fais... C'est trop dur. Je vais me faire tuer. Non bon c'est pas grave. J'ai jamais compris comment on se laisse. Au revoir. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, vraiment, je déteste cet endroit. C'est dingue. C'est dingue comme je le déteste. Là, je vais être obligé de, du coup, de perdre un petit peu de temps. Voilà, pour éviter de me prendre... Oh là 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 là, je me prends ce coup-là. Ça me met en danger et je vais mourir au retour. C'est sûr et certain. Bon, ben voilà, tant pis. La run est cuite, les amis. La run est cuite. Faut pas regarder, hein. Mais la run est cuite. Prendre de l'herbe. Ah non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre de l'herbe. Malheureusement, on n'a pas le temps de prendre de l'herbe. Ok, bon. C'est passé, mais je crois que je suis en danger là. Ça, faut pas regarder. Faut pas regarder la barre de vie. Malheureusement, on la verra sur le tyran. Et il ne faudrait pas. Barry, don't screw up again like you did when you dropped that rope. Et je pense que quand on se fait mordre en fait, c'est le même temps que si on fait le shoot de l'autre côté, je pense hein. J'ai été beaucoup trop loin. Wesker, you did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry. Et me prendre de l'herbe. Bon, l'avantage c'est que du coup la run est un petit peu plus safe dans le sens où quand on fait ça, il nous reste 4 grenades, c'est-à-dire que si on en loupe une contre tyran, on en a toujours une autre. Mais la run n'est pas morte. Mais par contre, bah, vous avez vu mes points de vie quoi. Enfin, vous les avez pas encore vus, mais moi je vous le dis, je suis en danger. Parce que j'étais en caution, je me suis pris un coup. Un coup que je me prends pas d'habitude. Donc bah, voilà, c'est cool. Hein. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission, as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there.
Barry. Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes. Though both you and Barry seem to think I was... Do it! Just do it! So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. I would show you the tyrant. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Parce que là, du coup, j'ai besoin de me fier un petit peu par rapport au son. Tyrant virus is a super virus, which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant is the most powerful biological weapon in the world. You don't mean you're experimenting on real people? This is really beautiful. All this power will be mine. For the sake of an awful... Ah, c'est bizarre, c'est que ça grésille aussi dans mon casque. Don't be upset. All weak people exist to be eaten. Ah, ça grésille aussi dans mon casque. Ça veut dire que ça vient pas des enceintes de l'ordi, ça veut dire que ça vient d'un paramétrage. On verra bien. What? Don't come this way. No! Oh, j'ai un problème là, ça vient du mélangeur de son ou d'un truc comme ça. Ah ouais, même dans le truc du casque, ça s'entend. Donc ouais non, ça vient d'un paramétrage du jeu ou d'un truc dans le genre. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Faudrait que je re-regarde. Je regarderai. J'ai dû changer quelque chose et je déteste quand il fait ça, lui. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Enfin, on ne voit pas l'angle de caméra. Du coup, je déteste quand ça fait ça. Bon, bah, voilà, c'est bon. C'est fini. À part si on tombe de l'échelle comme Barry, vu qu'on est en danger, bah, du coup, on meurt. Mais là, normalement, il n'y a plus de danger. Ah si, la coupure de courant, bien sûr. Bien sûr, la coupure de courant. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Jill, will you do me a favor? This is my last wish. Please give this photo to my family. Will you? Sure. Forgive me. Allez, meurs. Je veux qu'aille plus vite. Dépêche-toi. Merci.
crois que je peux aller tout droit. Eh oui, fais soleil dehors, faut y aller, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais sur ce stream? Et voilà, c'est fini. Youhou. Ah bah attends, oula, c'est pas sûr que je suis bio. C'est pas sûr. Merci Zeldus. Au moins c'est fini. Mais vous voyez, le problème, hein, c'est ces deux zombies là, ils sont un petit peu chiants. En fait, c'est surtout le deuxième zombie, celui qui est le plus proche de nous quand on commence à tourner. Lui, en fait. Le premier commence à bouger, mais c'est pas tant lui le souci. C'est le deuxième. En fait, s'il détecte votre présence, il va tout de suite se tourner vers la droite. Et en fait, du coup, il vous chope, quoi. Faut vraiment pas qu'il vous détecte. Alors, bon, je sais pas s'il y a vraiment un truc particulier pour y arriver. Merci pour les GG. Erreur de game, quoi. Ah, faut que j'envoie les perlés aussi. Les perlés du STA Sunshine. Ils sont là? Bon, allez, on va avoir le temps. On va quand même écouter la bonne musique. J'espère que ça va pas trop grisonner, hein, pendant la musique. Oh, j'ai peur que ça grisille. J'adore cette musique. Ah, et puis il y a ça aussi, du coup. C'est pour ça que je fais aussi le run, parce que j'adore cette musique. Non, non, ça va aller. Comme a dit Susano, il fait beau dehors. On va avoir le temps. Ah
not too bad, not too bad. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais...